Thank you.
Thank you.
René Lamandour Bachelet. Ah, c'est ça. Priorité à la plage et le dimanche priorité à la course. Allez, on y va, et tour joker là-bas pour Patrick Bachelet, le pilote de l'écurie aussi en Mayenne, qui a pris son tour joker. René Lamandour. L'avertissement n'est pas un arrêt. Hein. Donc, le pilote au couleur du Rallye Cross de Mayenne. Thank you.
Régalé, Franck Hulot, Dominique Gerbaud, son joker pour Jean-Louis Poirier et la Clio du pilote de la Varenne devant la belle Audi A1 de Monique Jagu. Et Durel avec la voiture de son moteur tout neuf, c'est chaud des bouts. Joker pour l'Apollo FK4, Dominique Gerbaud, qui sort devant Jean-Louis Poirier. Ça se réveille un petit peu là, hein. Là, ils commencent à se rapprocher les uns des autres, on commence à retrouver du rythme. On commence à retrouver le long. La boule qui emmène la Clio de Poirier, l'Audi de Jagu. Et devant, toujours Impérial. Impérial, la Saxo de Franck Hélo. Gerbaud, Poirier, Jagu, Durel. 206 bleu et blanche à l'extérieur. La C2 Super 700. De Chartrain. Oh, Chartrain les a eu! Il les a eu, Chartrain, à l'extérieur! Ah, il est malin! Il est malin! Du pied gauche est sorti en première position. Deuxième position, c'est Dorian Launay qui prend le tour joker. Il se loupe un petit peu là-bas à l'intérieur du tour joker. Maintenant, il faut revenir en deuxième position. La Twingo de David Olivier, Emmanuel Martin et Julien Febro. Et le retour de Launay. Dorian Launay qui revient. De la Zadie Duc est en train de s'envoler là. Si vous ne revenez pas, il vous attendra pas. Oh, les freinages encore une fois de Laurent Chartrain, Olivier Martin, Launay, la Saxo de l'équipe de Nantes. Emmanuel Martin a joué avec la correctionnelle. Il va sortir devant. C'est dans les Romains. Devant la Twingo, Dorian Launay, dernier tour en tête, le pilote en trois modules, face de la Manche. Oh, que c'est beau, c'est dans la vie.
détacher le parachutiste qui est collé là-haut sur le... Je connais pas ça de faire des filles. Je vais aller visiter. Et belle victoire de Dorian Lévé. Charcoing. La Twingo de la ville, Olivier. Bravo le team manager pour le tour joker, hein. Merci Alain. Qui c'est qui fume là? Et ça se met. Allez, venons à l'extérieur aussi. Nous fera-t-il une charcoing? Non, ils sont collés tous les deux à l'extérieur. Et il prend la troisième place. Jean-Baptiste Dubourg qui emmène Adeline Sornier qui adore le voir devant lui, donc elle le suit. Ton joker pour Maximilien Hebdo. Retour d'Adeline Sornier sur la Clio de Jean-Baptiste Dubourg. Hebdo, il va faire quelque chose de grand. Encore gagné parce que derrière ne le lâche pas, ne le quitte pas. Elle est à portée de sa Citroën C2 Yaco. Adeline Sornier. Les deux pilotes à des comme photo se tiennent comme une photo et sont double. Et les deux autres pilotes font exactement de même avec la Citroën. Avec Fabien Chanoine et Maximilien Hebdo. Oh, les grands moments de la coupe Logan. Et Adeline Sornier prend le tour joker. Et elle glisse, et elle glisse, et elle glisse. Et elle sort deuxième. Elle sort seconde. Retour. Chanoine et de Maximilien Hebdo. Ils avaient 5 mètres d'écart. Ils auront à mon avis 5 mètres d'écart. Attention, la masse est prise à l'intérieur. Donc, à mon avis, oh là là, qui risque. Ah, j'allais dire, il n'en sort pas. Il n'en sort pas. Il en sort 5 mètres. Ah, il lui manquait que ça. Dans le dernier tour, Dubourg, Sornier, Chanoine, Hebdo. Ah, ça réveille ça. Ben, juste avant. Et ils n'auront pas beaucoup d'écart tous les deux. Hein. Avantage à la Clio. Joli. Chanoine, Hebdo. Ah, vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements à tous les quatre. Magnifique. Vraiment magnifique. Ouais, bravo. Cette dernière série qui nous donne le meilleur temps pour Dubourg, le deuxième. Launay. Et les autres. C'est pas encore sur le net. Mais où se trouve Paul départ de René. René, Jarret, Lamandour, Lamandour. Oula. Alors la masse, il la récupère, il l'a récupéré, Lamandour. Devant Jarret. Il est en perdition, il l'a récupéré. Ah, mon papa essaye de faire au mieux, hein. C'est ce que lui a dit sa fille à Christophe Jouet. René, Bernard, Lamandour, Jarret, Max Bachelet,
aux couleurs du Rallycross de Mayenne. Devant Emmanuel Galibel.
ce temps, eh bien, Julien Febvre fait comme Sébastien Vettel. Il est parti devant. Devant, il est à 3 d'avance. Voilà, pour regarder. Il faudrait qu'on soit surpris en repère ici, pour que j'arrive à prendre en repère un peu plus vite. Oui, non, c'est pour le spectateur qui a mis la séquence. Ah oui, mais là, quand le premier passe là, où est le deuxième? Il faut qu'il soit où le second? Ah, tu crois? Oui, mais il faudrait faire en visuel. Et belle victoire, Julien Febvre, avec le meilleur temps. Martin, Poirier, Cherbeau. Eh bien, Manu. Quatrième et cinquième, Bernard René. De la Clio Super 700. Qui prend un excellent départ devant la Citroën C2 SVSL de Laurent Chartrain. En troisième position, on retrouve la Dacia Sandero. Bien malin qui pouvait le dire alors que c'est juste le départ. Il a raison, il le prend de suite. C'est pas idiot, il avait fait pareil hier après-midi. Et le pilote de Sainte-Mère-l'Église, quatrième devant le pilote SEV, Laurent Chartrain. Et le pilote Bossul à la poursuite maintenant de ceux qui l'avaient devancé dès le départ. Utilise le team manager avec les commentaires dans les oreilles. Ben, tour joker. Et ben, le tour joker, il est pour Julien. Il est pour Laurent Chartrain qui sort deuxième à la poursuite de Dorian Launay, le pilote des Fraises de la Manche. Pourtant là-bas il attaque. Je pense qu'il a presque attiré jusqu'au bout. On va voir si vous le rencontrez sur la manche. Fabien Levent, performance pure. Fabien contre Fabien Chanoine. Il y a des Fabiens là-bas dans toute l'équipe Chanoine. Et il prend le tour joker et là il va voir passer les deux premiers. Et il va les voir passer. Ah, il peut jouer Chartrain. Non. Il joue pas Chartrain, il pourrait le faire en finale. Dorian Launay à la poursuite de Franck Hello. Et le pilote à la Saxo qui carpe au requin. Très vite entre les trois pilotes. Là. Vraiment, très vite. Allez, les Fraises de la Manche qui nous ont fait une page, deux pages sur leur journal magnifique, le quotidien là, Pro Rallycross, à la plume de Serge Duquesnoy. Dernier tour. Il a fait l'erreur. Ouais, c'est loupé de nous. Eh oui, il s'est trop écarté, Dorian Launay. Ouais, Chartrain qui s'en récupère. On sait comment là-bas. Il aurait pu laisser une revenu dans le rythme et maintenant ils sont à 3 pour une première place. Chartrain s'en va, prend 5 mètres. Dorian Launay, Chartrain devant, Dorian Launay et Fabien Chanoine. Avantage Chartrain, le funambule. Launay à l'intérieur ce coup-ci. Chartrain, Launay, Chanoine et Eno. Le plus rapide c'est qui? Ah, il a fait encore un super départ. Dubourg, Olivier, Evenot. Et Olivier reste bien au milieu, Evenot à l'extérieur. Adeline Sandier qui repique Evenot. Là-bas, et c'est parti maintenant la poursuite de Jean-Baptiste. Vainqueur de Châteauroux et qui prenait la cinquième place à Essay, qui est en première place du classement général avec 68 points devant Adeline Sornier.
et le Bordelais de Rosan qui emmène l'homme de la Vendée, David Olivier, le pilote du Tivoli Meca. Alors qu'Adeline Sandier a pris le tour joker et que maintenant elle peut laisser libre cours à essayer de faire les tours les plus rapides. Collé à Jean-Baptiste Dubourg et le tour joker pour la Twingo. Et même, non, j'ai cru que Maximilien Evenot, avec sa belle Citroën C2 couleur de la Stacem, aurait pris le tour joker. Le jeune ingénieur, le pilote s'est râlé. Et elle revient, Adeline, elle est aussi rapide, voire peut-être plus rapide que la Twingo. Ça va pas suffire, on pourra aller chercher le meilleur temps de la première manche et le meilleur temps de la deuxième. De se retrouver sur la première ligne en pole position de la finale. Ouais, Adeline, il est sur trois roues. Il est à l'agonie, le pilote de la Twingo. David Olivier. Olivier Sandier. Le champion de France devant la championne de France. Tour joker pour... Là, il sortira devant. Peut-être pas, si. Ah, il y a un mètre, deux mètres. Allez, freinage, le dernier. Le violent Jean-Baptiste Dubourg. David Olivier, Adeline Sandier et Maximilien Evenot. Côté. Elle serait mieux partie quand elle est à côté de Jean-Baptiste, elle démarre pas. C'est incroyable, hein? Il lui fait peur. Ah, il n'y aura pas beaucoup d'écart entre tous les trois. Il n'y aura vraiment, vraiment pas beaucoup d'écart. Ils sont dans un mouchoir. Tous les trois. Et Maximilien Evenot prend une très belle quatrième place. Et ça nous donne donc premier. Alors les chronos pour la Twingo, meilleur temps Raymond, deuxième Anneau 2, troisième Conseil Jamin, quatrième Crochard, cinquième Dubourg, c'est le huitième, alors que là on est déjà parti avec la catégorie Super 1600, du beau matériel, des belles autos, des grands pilotes. Monique Jaguet et sa très belle Audi A qui a pris le meilleur départ. Croyez-moi, la fermette est chaude du brûlant, c'est exceptionnel. L'abandon est à l'arrêt là-bas avec la Citroën C2, alors que les deux nouvelles voitures de la saison, la toute dernière, c'est la blanche, celle pilotée par Jean-Luc Durel, juste derrière la toute nouvelle Audi A1 et de Yvonique Jagu. En troisième position, Patrick Jarret et Max Bachpé, le pilote de l'écurie aussi en Mayenne et sa belle 206 bleue. Allez Jean-Luc, comme les yeux de Jean-Baptiste. Yeah. Se baigne dans le bleu. Ah, il est libéré, il est allé taper l'oreille avec la mélodie. Alors que Jean-Luc Durel nous promet en déco un truc très trash sur sa voiture. Début septembre,
Alors que je disais que Durell nous promettait une déco trash sur la belle Clio Super 700. Moteur tout des deux. Salut Durell. Prends le tour joker. Oh, s'il se loupe pas, il va pas sortir. C'est injuste. Ça va être juste. Il va sortir. Juste en erreur. Durell. Jean-Luc Durell, le vainqueur de Faleras. Ah, pour un mètre. Pour un mètre, il prend la deuxième place. J'arrête. Ouais. Avec la Peugeot 206. Et Manu. Non, ça se frotte, ça se touche, ça se poussière et ça donne à l'extérieur Gerbeau. Il revient maintenant. Poirier, Hello, Martins, Gerbeau et Jagu. Jean-Louis Poirier dans le premier tour. Franck Hello deuxième. Gerbeau troisième. Jagu quatrième. Et cinquième, Martin. Un beau départ pour Jean-Louis, mais il sera passé par toutes les solutions possibles et inévitables. La belle Audia, Yannick Jagu, aller chercher le meilleur avec une voiture toute nouvelle. Il est parti, mais il n'a pas assez d'avance. Il prend le tour joker. Et Dominique Gerbeau va sortir premier. C'est maintenant qu'il faut qu'il sorte premier. Jean-Louis Poirier, et il sort premier. Le pilote Sonico devant le pilote Leni Compétition. L'Audi. Très bel Audi. Un énorme travail, magnifique. Ah, ils vont prendre le tour joker et ils vont se trouver 4e et 5e. Voilà, tour joker. Pour Dominique Gerbeau, le pilote Jagu Automobile. Toujours en tête, va se retrouver au moins quatrième, au bilan cinquième quand il va prendre le tour. Et il laissera la victoire à Jean-Luc Poirier. Ce tour joker va en faire pleurer et rire beaucoup tout à l'heure dans les grandes finales. Voilà, tour joker pour Yannick Jagu et il va voir passer tout le monde. Même Gerbeau. Ah oui, Frenetta, automatiquement, on ouvre à l'extérieur. Bien joué, Manu. Et belle victoire pour Jean-Louis Poirier, Julien Zemmour. Et à l'extérieur, qui se
sort devant. Adeline. Eh oui, ah. C'est collé juste derrière. Alors, on a que les lunettes soient nettoyées. Et on retrouve donc le petit train maintenant des super 16 ans, où la moindre erreur est rédhibitoire avec Adeline Sornier qui mène la danse. Qui voit passer maintenant dans le tour joker, il a eu raison, Fabien Chanoine avec la Dacia Sandero. En deuxième position, le commentateur de Canal+, le vainqueur de l'an dernier, Julien Febraud, et Dorian Dolé, le pilote aux couleurs de la presse de la Manche. Avec lui aussi la Clio de Dorian Lonné, le régional de l'étape qui. Voilà, il a raison, Julien Febraud, de prendre le tour joker maintenant. Et Fabien Chanoine sort derrière lui. Vladilo Tiako, Miss Loyac, Febraud, Chanoine. La poursuite de Miss Loyac, la seule femme à avoir remporté un rallycross, c'était à Loyac. La championne de France de rallycross, au plus haut en tête, Adeline Sornier est à Citroën 2. Dorian Lonné, le pilote canfrois. Mais on... Le pilote la presse de la Manche. La Clio du type Lonné remonte en deuxième position. Derrière, il y a un duel entre le commentateur de Canal+ et Fabien Chanoine, le pilote Yaco du type chanoine.fr. Sont collés tous les deux à la troisième et la quatrième place qui vont changer. Sont tous les deux dans le tour joker. Dorian Lonné va en perdre. Il va se retrouver quatrième. Et Adeline Sornier l'a pris au bon moment et elle reste en tête. Alors que nous ne sommes simplement que dans la troisième manche, mais c'est vrai que l'on arrive à la dernière série dans deux minutes de la catégorie Super 1600 avec une belle victoire pour Adeline Sornier devant Julien Febraud, Fabien Chanoine et Dorian Lonné. Et bien il ne va pas y avoir beaucoup d'écart. Hein. Seul piloté par Maximilien Hebneau. Ah, la Clio a l'avantage au départ. Hein. C'est pas énorme, mais qui est là. Allez, tous les quatre, maintenant pareil, rebelote le tour joker à faire le tour le plus rapide. Jean-Baptiste Dubourg, le frère de... Le tour joker pour... Laurent Chartrain, le père d'André Dubourg, qui ne quitte pas la Twingo. La Twingo Limeca de David Olivier, juste derrière la Clio Super 1600. En troisième position, il est même pas très bien et on l'oublie, mais il a raison de se faire oublier comme ça. Il peut créer la surprise. C'est Maximilien Hebneau avec la C2 qu'il a construite de ses propres mains. Le pilote Stassem. Le vainqueur de la Coupe Logan. Et Laurent Chartrain qui nous paraît bien loin des premiers là. Et dans le tour de Cachemar, il a la chance. Et donc il y avait les millièmes. Il prend le tour joker.
temps. Il n'a pas perdu de temps. David Olivier. Et le pilote des Landes Sport. L'homme de la Twingo est là et le tour joker, il le prend. Et c'est Maximilien Evno qui sort devant. Et la Twingo sort juste derrière la Clio Super 700. Le pilote du Bourg Auto. Il a beau tout donné. Hein. Il n'arrive pas à retourner au tour de joker pour Maximilien Evno. Et la victoire sera la troisième victoire pour Jean-Baptiste Dubourg. Olivier, Evno, Chaprin. Alors a-t-il pris les points? Avec toujours encore une fois un superbe départ de Bernard René et sa 206 qui emmène avec lui la nouvelle Clio Super 700, celle de Jean-Luc Durel, Patrick Jarret, la Peugeot, l'autre Peugeot de Max Bachelet et ferme la marque Lionel Lavandeur. La Renault entre la noire et la blanche. Tour joker pour Jean-Luc Durel sur une voiture qu'il a touchée hier pour la première fois. Ce sont les premiers tours de route de la saison pour Max Bachelet, le pilote aux couleurs du Rallye Cross de Mayenne. Oh joli, il est juste sorti devant. Et devant Bernard René. La Peugeot Durel. J'arrête la catégorie Super 700 de Manifest. Comme le ciel, devant lui, le pare-brise, rien ne le gêne, il est devant. Durel, René, Jarret, Lavandeur. Les invités de Claudine et Durel, victoire. René, deuxième, belle victoire de Jean-Luc Durel.
Non, il l'a touché hier. J'arrête 3, l'Armandour 4, c'est 5e.